maman, je ne l'aime pas. C'est encore plus fort que ça. Ma maman, j'adore. Bonjour, c'est Claire à Chez Milin. Aujourd'hui, je vous présente un coup de cœur pour les parents qui veulent sortir des comptines traditionnelles et des chansons pour enfants trop sages. Aujourd'hui, je vous parle de François Hadji Lazaro. François Hadji Lazaro, c'est ce super musicien multi-instrumentaliste que vous connaissez certainement pour ça. Les garçons bouchés, groupe de rock alternatif tendance punk musette des années 80. Mais François Hadji Lazaro, c'est aussi ça. Plus proche du folk rock, mais le punk n'est pas très loin non plus. Et puis un jour, on rase la crête, on range les Rangers au placard et on a des enfants. Mais rassurez-vous, pour les nostalgiques, François Hadji Lazaro, aujourd'hui, ça donne ça. Mieux qu'à la foire, mieux qu'au cirque, mieux qu'à la télé, au supermarché. Trois albums rock à destination des enfants à partir de 5 ans. Tout est là. La multitude d'instruments traditionnels, souvent inconnus, le mélange des genres musicaux, des textes pleins d'humour où la réalité, la poésie et l'absurde se côtoient joyeusement, et bien évidemment, la voix inimitable de François. Pour découvrir ou redécouvrir cette figure incontournable du rock alternatif, vous trouverez l'album Matata, Mon Pingouin, Gérard et les autres à la médiathèque La Passerelle, l'album Pouette à la médiathèque de Saint-André-le-Gaz et le petit dernier Hatchoum, qui a quand même reçu le prix Charles Cros, à Saint-Jean-d'Avelane. À bientôt !